Bâtir une maison éco-friendly, avec le Feng Shui. Lorsqu'il s'agit de construire notre maison de rêve, il est essentiel de penser non seulement à son esthétique, mais aussi à son impact sur l'environnement, et à l'harmonie qu'elle apportera à notre vie. Une approche de plus en plus populaire pour atteindre cet équilibre, est de combiner la construction écologique, avec les principes du Feng Shui. Dans cet article, nous allons explorer comment vous pouvez construire une maison écologique, tout en respectant les principes du Feng Shui, pour créer un espace harmonieux et équilibré. Le Feng Shui, l'art de l'harmonie. Le Feng Shui est un ancien système chinois d'arrangement de l'environnement qui vise à créer un équilibre entre les énergies positives, appelées Qi, et négatives, Sha. En suivant les principes du Feng Shui lors de la construction de votre maison, vous pouvez créer un espace qui favorise la santé, le bien-être et la prospérité. Choisissez un emplacement approprié. Selon le Feng Shui, l'emplacement de votre maison est crucial. Essayez de trouver un terrain qui est bien équilibré en termes d'énergie. Évitez les terrains situés à proximité de lignes électriques à haute tension ou d'autres sources de pollution électromagnétique. Recherchez un endroit où l'énergie circule librement et harmonieusement. Utilisez des matériaux écologiques. La construction écologique est une approche respectueuse de l'environnement qui vise à minimiser l'impact de la construction sur la planète. Lors de la construction de votre maison, optez pour des matériaux durables et écologiques, tels que le bois certifié FSC, les matériaux recyclés et les isolants naturels. Ces choix non seulement réduisent votre empreinte carbone, mais contribuent également à créer un espace sain et équilibré. Maximisez la lumière naturelle. Le Feng Shui valorise la lumière naturelle comme un élément crucial pour une maison équilibrée. Lors de la conception de votre maison, assurez-vous d'inclure de grandes fenêtres qui permettent à la lumière du soleil de pénétrer profondément dans chaque pièce. Cela non seulement améliorera l'énergie de votre maison, mais réduira également votre dépendance à l'éclairage artificiel, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Créer un flux d'énergie harmonieux. L'une des principales préoccupations du Feng Shui est la circulation harmonieuse de l'énergie à travers l'espace. Assurez-vous que l'aménagement de votre maison permet un flux d'énergie libre et doux. Évitez les meubles encombrés, qui entravent la circulation, et privilégiez les espaces ouverts et aérés. Intégrez la nature dans votre intérieur. Le Feng Shui encourage également la connexion avec la nature. Intégrez des éléments naturels dans votre décoration intérieure, tels que des plantes d'intérieur, des matériaux en pierre ou en bois, et des couleurs inspirées de la nature. Ces éléments apportent une touche de sérénité à votre maison tout en renforçant les liens avec le monde naturel. Gérez les énergies négatives. Le Feng Shui identifie certaines zones de votre maison comme potentiellement négatives en termes d'énergie. Apprenez à les équilibrer en utilisant des remèdes Feng Shui, tels que des miroirs pour réfléchir l'énergie, des cristaux pour purifier l'atmosphère et des couleurs spécifiques pour harmoniser chaque zone. Investissez dans les énergies renouvelables. Si vous voulez pousser votre démarche écologique encore plus loin, envisagez d'investir dans les énergies renouvelables pour alimenter votre maison, comme des panneaux solaires ou une éolienne domestique. Cela vous permettra non seulement de réduire votre empreinte carbone, mais aussi de réaliser des économies à long terme sur vos factures d'énergie. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.